Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Retro World et de... Peuchtard, pardon. Ah, j'ai eu le... c'est des décalages comme à la télévision. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, le mec, il, là, tu vois qui sa tête, elle bouge pendant 2-3 secondes. Paris, ouais. Je vous entends, c'est bon, oui, tout à fait. Ici, c'est la fin du monde, hein. Je tenais à vous le dire, voilà. Et hein. Donc, on se retrouve, vous avez pu voir, sur Soupoman. Mets de l'argent. Mets de l'argent. Mets des pièces, Butter, c'est bien. Allez, on est parti. Bah, je te laisse appuyer. Il faut que tu appuies aussi. Superman. Et il est avec Sinistro. Ah, on a la vraie musique. Coup de pied, regarde, coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de poing, coup de pied, coup de poing, coup de pied, coup de poing, voilà. Donc voilà, un jeu qui mélange du beat'em all volant avec, on va pouvoir le voir, du shoot. Ah non, j'ai cru que je pouvais jeter des boules. Bah oui, tu peux. Hadouken ! Tu charges. Avec le poing. Ah ah, je suis en train de... Et après, t'as les... Ah, j'aime pas lui. Oh là, comment il m'a défoncé. Ouais, on voit que t'es pas le vrai Superman, hein. Ah merde, j'aurais pu mettre un coup de pied. Voilà, faut prendre les réflexes. Je sais pas si c'est un... Si, comme je disais... Enfin, je sais même plus s'il s'appelle Sinistro, le... Ouais, le ça tombe, il s'appelle Superman, pas. Hein, dites-le dans les commentaires. Oh, Hulk! Allez, ma grosse. Quoi? Comment ça? Ouh! Redeviens! Ah putain, le mec, il te met deux coups, tu prends deux barres. Direct. Ah, t'étais mort. Ouais, Dixit, le mec qui va bientôt me rejoindre. Dixit. Ouais, Dixie Pix. Oh ça met la garde. Oh, les mecs qui connaissent la garde. La garde, bah, arrière. Tous les... les gardes arrière, oui. Petite pub en passant. Voilà. Ken, si un jour tu nous regardes, voilà. Voilà, je pensais à toi. Jamais, à moins si on fait du jus de baston, mais encore. Il se tait. Ouais, Flash, ouais. Comment il s'appelle? La torche. La torche humaine. Oui, on fait des... Pas dans le même monde. On invente des trucs. Hadouken. Ouais, on peut voler. On va continuer à voler. C'est bien, non mec, Superman, on vole. Mais on était déjà en train de voler, hein, pendant... Non, mais voilà, moi je parle de voler, voilà, genre comme ça. Ah, coup de pied, ben. Tu vois, coup de laserisation, comme j'aime le dire. Moi j'adore laseriser, quoi, tu vois. Je suis un laserisateur. Ah, la dernière fois, j'ai vu un épisode de... Ah, j'ai vu beaucoup d'épisodes de Family Guy. Oui. Et il faisait un truc sur Superman, en fait. Et tu voyais Lois Lane, tu voyais Lana Lang et je ne sais pas. Ah, Lana. Comment va Lana? Et qui disait, on comprend pas, on a été chez le médecin, on a tous 50 plus 1, comme si quelqu'un nous avait mis sous des radiations notre poitrine, machin. Et puis tu vois Clark qui dit, ah bon, c'est bizarre. C'est chelou. Ah... qu'on a été bombardé de rayons X. Avant. Butters, il doit adorer ce jeu. J'en suis sûr. Bah, tu peux rester appuyé sur le bouton laser, donc je suis sûr que ça te plaît. Ah, je savais pas, j'ai martelé. Ah bah voilà, tu le sauras pour la prochaine fois, donc... Continue to the next one. Non? Où on va, à San Francisco? Ah, je crois qu'on va plutôt à San Francisco. Flash, il vole? Bah oui. On m'aurait donc menti. En fait, il va tellement vite. Tiens, coup de pompe. Aïe. Oh là. Oh, il m'a rendu mon coup de pompe. Mais pourquoi? Genre, il m'a mis un coup d'aile. Ça a fait du vent. Il... Mais je suis Superman ou je suis pas Superman? T'es pas Superman. Ah oui, je comprends pourquoi on meurt. Le mec qui tient la Terre dans ses mains, là. Oui. Il bloque un peu le soleil. Bah oui, je te l'ai dit. Aujourd'hui, il doit faire plus vieux, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Ah, c'est... Aujourd'hui, c'est très nuageux. Il n'y a pas tous ces pouvoirs. Mais le bambou garden. Spider-Man. Ah bah oui. Non, mais on va voir du monde connu, quoi. Là, il y a de la star dans le jeu.
Non, mais faut le dire, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, il y a de la star. Ah bah. Il y a du people. Ah mince, je suis pris dans sa toile. Oh. Ah, enfer et damnation. Damnation et enfer. Ah. T'inquiète pas, mon Aide-moi, ami. Aide-moi, Clark. Bah, démerde-toi. Je ne suis pas Clark. Le mec en plus il balance des noms. Oui, bah t'es. C'est bien de prendre la vie quand. Bah j'ai pas fait gaffe hein. Ah bah tu sauras que les boules bleues c'est la vie. Ouais, non, mais ce qui nous enlève. Ouais, ils en donnent pas beaucoup hein. Ils sont un peu radas bon, les mecs. J'ai fait mon premier. Ah il est pas mort lui. Ah c'est le boss. Ah c'est le boss ça. J'ai pas capté moi. Je pensais que c'était un mob. Bah c'est le premier qui fait pas boss, j'ai envie de te dire. Attends, laisse-le descendre. Ah ouais, c'est un mid boss. Oui, c'était un mid boss. Pourquoi on est monté puis on se retrouve dans les égouts? Ah oh, c'est des égouts aériens. C'est bien connu. Bah oui, non mais c'est des égouts aériens. Ah, les grilles se protègent quand tu mets un coup de poing. Mais un coup de pied, De toute façon, ils sont toujours pour toi, les grilles. Lui, il m'a fait mal. Tiens, tu me feras pas de mal, de faux. Mais genre, j'ai tapé... Il se fait frapper par des... Par des lots, non mais... Attends. Non mais c'est le premier crédit que je perds, monsieur. S'il vous plaît, hein, respectez-vous. Oh. Waouh! Oh le coup de poing dans la bouche. Tais-toi! Oh il t'a refait la mâchoire, il m'a dit. Ah, mais comment il enlève beaucoup! Voilà, bah, saloperie! C'est un boss! Hein. Non c'est mais il te met deux coups quoi! Tiens, Hadouken! Ouais, c'est pas Jean Clodo le mec, nous on lui a mis trois coups! Ah, du vol! Enfer et damnation! Mais où est-ce qu'on ah, est? Oui, on peut s'appuyer! Je connais pas cet endroit de San Francisco, tiens! Si, ça c'est le futur métro! Ils sont en train de creuser là! Ouais, c'est quand même bizarre, j'ai l'impression d'être plutôt dans les mines de la Moria. J'ai plus l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux que à San Francisco. Excusez-moi du peu. Ou Altered Beast. Ouais, par exemple. Dans l'esprit plus pixel art, ouais. Je crois qu'il y a un passage comme ça quand t'es en drap. Ah mais non, ah mais oui, ça fait des petits cailloux maintenant. En gros, vaut mieux les éviter, quoi, limite. Oui, oui. Aïe. Encore un hélico. Comment non, il, a mais... il y a supercopter dans le coin. Eh, le mec, c'est un bon pilote. Hein. Quand je prends les stalactites ou les stalactites. Mais t'as vu ça? Non, mais c'est supercopter. C'est pas... Merde, moi, je me jette sur les rochers. On ne sait pas pourquoi il y a des rochers qui volent, en plus, comme ça. Mais tu vois qu'il y a des doubles gravités. Hein. Ils vont vers le haut et vers le bas. Mais qui envoie ces missiles? On ne sait pas. Ce bruit d'avion. Le bruit. Il y a un Concorde. Fais gaffe, il y a des Concordes. Oui. Attention. Ah, t'as le Concorde et après t'as ça. Ah merde, j'avais pas vu. Oh, j'ai eu missile pourri. Attention, il y a R-Type. Non mais j'adore parce que t'esquives les gros lasers de ouf là. Puis derrière tu prends un vieux missile pourri. Les petites merdes. Ah, le truc tellement dégueulasse, trop dur à viser presque. Eh ouais! Ah, j'ai tué la saloperie! Ça fait trop plaisir! Yeah! On va à Las Vegas! On a le temps de se faire une petite partie, tu crois? Je me demandais. Voilà. Je remets le crédit parce que Butter ne remet jamais des crédits. C'est moi qui ai mis la première pièce. Après, c'est. Pas toujours les mêmes qui payent. Hein. Dédicace à Nicolas Leclerc. Je vais recommencer. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai plus dédicacé, mais... Non, casse pas, j'en ai besoin pour me détransformer. Ah merde, c'est moi qui l'ai pris. Ouais. Ah, mais c'est de la gruche. Faut pas le monter et le taper. Oh, Batman. Ah non. Ah non. Et ton costume est bien imité. Electric Man. Mais non. Mais oh, le Joker. Ah, espèce de catin.
Merde, je suis passé à travers. Oh là, la chose. La chose avec un slip. Attention. Ah non. Ah je dis. Ah, The Beast. Ouais, il hésite, hein. Il cherche. Hein. C'est un mec qui cherche, couleur. Il sait pas trop encore. C'est The Beast quand il s'est dit est-ce que je vais me mettre bleu-rouge. Ah non, il est bleu, mais comme il est vénère, il se rougit. Mais comme il est bleu. Ah ok, on change de couleur. Bah, je me suis retrouvé là en fait. J'ai envie de dire ouais. Faut le taper le mec, sinon. Bah ouais, mais si t'as pas le timing. Faut le taper même dès que tu vois. Bah non, j'étais pas à portée. C'est pas grave. C'est pas grave, bah non. C'est plutôt gênant, mais non. C'est, mais... Ça s'appelle du pré-shot. Bah non, parce que voilà. Putain, mais la saloperie finie. D'accord. Oh, Terminator. Terminares, ouais, Terminator. Ah, il met des coupons. Donc c'est pas grave. Ah non, je suis mort juste quand on le tue. Si c'est pas dégueulasse, ça. Oh, le Clousino. Oh, la saloperie. Pour ne pas dire autre chose. Oh, des missiles, encore. Ah, de toute façon, moi, c'est mes passages préférés. Mes passages favoris. Pardon. J'ai bugué. Ah, mais on peut pas faire un... Si, on peut. Oh, il y a des structures bizarres. Quoi, il y a bien une version Goldorak, pourquoi on pourrait pas le faire avec ça. La zone 51. Ah. Ouais, ça doit être ça. C'est pour ça qu'il y a des structures bizarres. Bah oui. Encore supercopter. Par contre, j'ai jamais compris si les trucs noirs fallait les prendre ou les casser. Ou les éviter. Non, les casser. D'accord. Ah oui, c'est censé représenter des morceaux de l'hélico. C'est ça. Ok, c'est ok. Bleu, ouais, c'est d'accord. Bleu ou jaune. Non, mais je demande, on sait jamais, je sais pas, moi, un truc bonus pour avoir cassé la gueule à un hélico. Bon, vous me direz qu'à la gueule à un hélico pour Superman, voilà. Il est pas mal résistant, Superman, quand même. Ouais, t'as vu ça? Enfin, je suis peut-être Superboy, ou je sais pas, super bonhomme. Moi, t'es super girl, toi. Super mal, d'accord, il y a Superman et super mal. Ouais, il y a super mal. Mais bon. Ouais, ils auraient pu mettre aussi Supergirl avec lui. Ça aurait été pas mal. Ouais, mais est-ce qu'elle y était à l'époque? Waouh, ça sent le wipe. Attends, j'appuie sur Star, moi. J'appuie sur Star. Attention. Attention les oreilles. Push-tar. Ah bon, moi je peux start. Désolé pour la gêne occasionnée, mais bon, vous avez l'habitude, hein. Ah bah là... Ah non, relance tout. Le jeu? S'il te plaît. Le crash? Bah, moi, ça la playa. Fais ton truc avec la vidéo. Ah, c'est bon. Bon, je vais prendre du dégât parce qu'il faut que je remette le son. Bah oui, parce que moi, comparé à Peters, moi, je suis plus rapide. Je vous enlève le son. Ah ouais, non, mais à chaque fois, après, quand je fais ça, j'ai une latence dans les déplacements et de la manette. Ah ça, bah c'est là, j'ai une putain... là, j'ai une latence de ouf. Bah, moi aussi. J'ai jamais eu ça. Ah bah, tu vois, tu comprends ce que je ressentais quand j'en parlais? Est-ce que tu comprends ce petit décalage de 0 à 5 secondes, mais qui rend le non, le là, toucher... je suis en train de faire avant, là, je fais arrière. Bah oui, non, mais c'est... Bah oui, voilà. Non, là, il y a un décalage de... On va à Washington, D.C. Yeah, on va dans la capitale. Capitalon, les amis. C'est le moment de capituler, de capitoler. J'aime bien quand tu dis... T'as dit ça, Capitalon, les amis. Le fait que t'as dit les amis, ça me fait penser à Pigeon et... Ouais, les séries moisies de Butters, voilà. Oh non, voilà. Pour ceux qui nous auraient pas suivis, regardez Pigeon et Dragon. Moisy, le gars, il était en manque, il me réclamait des épisodes tous les jours. Ah oui, ça c'est vrai. Bah j'aime la merde, c'est bien connu. Non mais, faut le dire. Je suis un merdeux, j'aime la merde. Et puis comment j'emmène Butters si c'est pas pour lui dire des conneries? À un moment donné, faut être logique. Comment j'harcèle Butters sinon?
Je suis là pour ça. Oh, il s'est fait agresser par je ne sais pas quoi. Ah, Duken! Il s'est barré. Va prévenir ses... Va prévenir ta mère. Oh, regarde, il y a le monument là-bas. La Maison Blanche. Mais la Maison Blanche. Il y a la voiture du président. Bam. Yasmin. Ah non, il m'a eu. Ah, mais non, genre, il m'a touché en même temps. Ah, mais sérieux, quoi. Péter ça. Ah, c'est l'entrée secrète pour aller dans la Maison Blanche. Oh, ce timing, t'as vu ça? Oh, le retour des missiles. Il paraît plus grand dans les airs. Ah, c'est des missiles à courte portée. Mais calme-toi. Oh, Aquaman. Aquaman. Bah, c'est son casque. Hein. Allez, il frappe fort. Hein. Mais carrément, je t'ai dit, de mettre deux coups dans ce jeu. Tiens, un Duken avec la boule. C'est des ouf dans ce jeu. Carrément. Allez, rigole, hop. La gueule, t'es chauve! Ah bah c'est gentil ça! Regarde, il m'emmène à eux! Colo comme il défonce! Mais non, il m'emmène pour que je le frappe! T'as pas compris en fait! Il croit que c'est pour son bien, mais en fait c'est pour son mal! Pam pam! Pam 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 pam! Pam 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 pam! Pam pam! T'es qui toi? Oh, c'est le retour de Flamèche! Je crois que c'est le frère à Flamèche! Il est vénère parce qu'on a tué son frère! Son côté gay. son côté ouverture d'esprit. Oh la quête. Hein. Moi aussi, je peux faire des flamèches. Allez, coup de pompe dans ta gueule, moi j'y. Y'a que ça de vrai. Super, les amis. Parle moins bien de la bouche. Ah, le décalage est parti. Bien. Mais oui, je t'ai dit, après ça se remet. Ouais. Alors ça, je sais pas si on peut les détruire, mais... C'est le projet Jonathan? Des mines dans le ciel? Ouais. Ah, ça c'est le projet anti-Superman. Là, moi je vais tout me prendre. Le mec il suit pas. Projet bordel aérien. Oh bah là... C'est les débris de l'espace en fait. Ah ouais, d'accord. Venge-moi Kal-El. C'est toi Kal-El. Non, moi c'est Jor-El. Jean Jaurès, si tu veux, ça te regarde. Si tu veux faire Jean Jaurès, Jean Jaurès, c'est à cause de toi alors qu'on est à l'école jusqu'à 16 ans. Vengez-vous sur lui. Quand on parle pas de Batman, hein, monsieur est perdu. Non, je connais Jaurès, c'est bon. C'est le grand-père à Superman. Faux, C'est son troll. C'est son père mort qui arrive à lui parler malgré la mort. Voilà. C'est son père mort ressuscité par image parallèle. Qu'il est dans une base de données dans une sorte d'holocron à la Star Wars, tu sais. Bah oui, bah c'est ce que je dis. Si t'es mort, tu peux toujours parler. Bah c'est ce que je dis, ressuscité à l'image virtuelle. Eh ouais, monsieur. Superman serait peut-être dans le monde. Mais il est dans la matrice en fait. Et de toute façon, Batman c'est connu, c'est supérieur à tout. Voilà. Encore lui. Putain, ils ont kiffé les vaisseaux de l'espace dans ce jeu. Allez, mec, on va faire quoi comme méchant dans les airs? Oh, tu me mets du vaisseau. Vas-y. Ça fait cool, ça fait en très fait, SF. Il y a un mec qui s'est occupé de la partie beat'em all, et il y a un mec qui s'est chargé de la partie shoot'em up, ouais. Et il kiffe les... Voilà. Non mais tu et sais qu'en plus, c'est... Sur R-Type, ouais. Cette phase, elle est très ressemblante au boss du 3-2 ou 3-3 du Batman Game Boy.
courant qu'on pouvait pas esquiver là, t'as vu les boules, ils revenaient mais si en arrière. Peut... Mais bien sûr que si on peut. Ouais. C'est juste que normalement il faut le timing. Ah, on a après buté le Ice Core. Sur la planète entière, on s'est aperçu qu'il était dans l'espace. Ah cool. Ah bah c'est bien comme ça, on reste en l'air. Moi j'aime bien quand ça reste en l'air. On est dans la trace. Monsieur toi la trastosphère. Ou planosphère, je ne sais pas. Mais non, on est dans une patte secrète. Ah c'est ça, on va lui péter sa gueule et on va le prendre pour... on va prendre la base pour le. Mais la le justicier. Mais non, le méchant c'est Batman en fait, on est dans sa batte cave. Sa batte ciel. Ouais. C'est pour ça que t'es pas au courant, mais voilà. Ah mais non. Sa batte. C'est sa batte station. Voilà, sa batte station orbitale. Non, je te dis qu'on est dans l'univers de Star Wars, on attaque le... L'étoile noire. La première étoile noire. The Death Stars. Voilà, encore des gros vaisseaux. On aime les gros vaisseaux. Voilà. Aïe. Oh. Aïe. Voilà. Comparé aux autres boss... Ah oui. Non mais en fait c'est ça le plan, je suis d'accord. Oh, tu te prends les trucs d'en bas, comme ça moi j'esquive les trucs d'en haut, et comme il y a plus d'en bas, et ben en fait ça me fait tout esquiver. Ouais d'accord. Ah, sauf que là tu comprends pas le concept et ça marche moins bien. Je prends du dégât là, ça colle pas. Faut se mettre plus près, t'en vois plus de rayons. Ah ouais bah oui, j'allais vous le dire. Bah vu que ton rayon disparaît. Bam. Oh, c'est quoi ce lapinou là? Ah, c'est un lapin qu'un dessin en plus, regarde. C'est une lapine? Ouais. Attends, calme-toi le jeu. Elle est où? Pardon. Ah, oh, prends le pouvoir! Trop tard, je le prends. Bam. Ouais, je te donne. Bam. Bam. C'était Greedo. Ah. T'as pas vu, il y avait Greedo. On est... Donc ça confirme l'hypothèse qu'on est dans Star Wars. Là, vas-y, prends. Mais... Oh non, mais... Oh, la poisse. Ah bah ouais, le truc, il m'a mis une feinte. Ah mais non. Mais vas-y, y'a rien à afficher, là. Fais pas chier. Bah oui, comment c'est pas... Oh. Sinon, je te lâche les couilles. Voilà, tout à fait. Lâche-lui les couilles. Ah, fais gaffe, y'a un mec qui disparaît. Ah bah oui. Y'a un pervers. Y'a un vil pervers. Non, mais vas-y! Laisse-moi comment toi, espèce de pervers! Ah, il m'a dit j'aime les beaux gosses, il m'a chuchoté à l'oreille. Espèce de groupie! Il m'a dit j'aime pas le slip délavé de ton copain alors je me mets sur toi. Ah! Pris un tir! Voilà. Salaud! Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Ah, quand tu prends une boule jeune, ça te donne. Tu peux lancer une boule tout de suite. Ah, Greedo, le retour de Greedo! Ah ouais, Greedo, ah ouais, mais carrément. T'as vu qu'on est dans Star Wars? T'avais raison. Oh le Greedo, le retour de Greedo. Oh mais Greedo, il est partout, il veut pas mourir. Alors, Greedo. Si vous avez la marque de sa race de Greedo, le dans les commentaires. Pour voir si vous avez regardé jusqu'au bout l'épisode. Je m'en rappelle même plus perso, alors que je l'ai vu il y a pas longtemps. Ah, je l'ai vu il y a pas longtemps. Sa race? Ouais. Je l'ai vu bah il y a un mois et demi maintenant. Ouais, en même temps c'était il y a un mois et demi. Hein. Voilà, c'est pour ça. Bah oui, parce que pour les 40 ans, forcément. J'ai regardé du Star Wars pour les 40 ans. Ah oui. On se doute bien, bah oui. J'ai fait mes efforts with you moi. Ah, tu vois que c'est Star Wars, regarde. Ça va être le combat contre Dark Maul. Il y a des téléporteurs. Oh! Non mais voilà. Non, c'est les barrières, tu sais. Comme le combat quand ils doivent attendre pour Dark Maul. Ah oui. Oh, c'était Supergirl qui était en mode méchante. Ouais. Eh ouais, t'as vu, les mecs, ils avaient pensé à tout. J'ai pas compris ce que le truc de barrière faisait là, mais... Je ne sais pas. Tu sais que t'es pourri. Bah c'était pour te faire perdre du temps quoi en gros, mais ça marche pas trop bien j'ai l'impression. J'ai l'impression que le concept était bordé. Attention, il y a un vide pervers.
Lâche-le. Voilà. Mais non. Ah, mais il y a plein de pervers. Non, c'est pas Batman, c'est pas vrai. Batman n'est pas comme ça. Ah, Greedo, casse-toi. Ah, il y a plusieurs Greedo. Il est venu avec sa famille. Il y a la famille Greedo. Ah. Si, c'est Batman. Non, c'est pas Batman, il ressemble à Ninja. Mais encore toi. Alors, Batman est une formation Ninja. Et alors 3 PO. Ah non, mais je pense que... Je pense que notre théorie est bonne. Ah ouais, on est bon. On est sur la bonne voie. Le méchant, c'est l'empereur. Ah, ça y est, faut aller dans le noyau. Il faut détruire l'étoile noire. Luc, fais confiance à la force. Mais qu'est-ce qu'il me veut, le vieux débris? Pourquoi il y a un mec qui me parle? Ben. Ben, mais c'est qui Ben? Je ne connais pas de Ben. Je m'appelle Obi-Wan, crétin, je m'appelle pas Ben. Mais c'est qui? Je ne connais pas d'Obi-Wan. Et qu'est-ce qu'il est con? Monsieur, vous êtes trompé de série. Ah merde, ah oui, il y a une défaillance au niveau de mon communicateur. Oh, le mec qui avait pas du jote, quoi. Obi-Wan Kenobi qui doit pas se faire attraper par l'Empire. Il change son nom, ouais, Ben Kenobi. Voilà. Les mecs vont pas faire le rapprochement. Ah, c'est pas lui. C'est pas Ben. Je cherche un Obi-Wan. Vous pouvez y aller, monsieur. Faites attention. Et n'oubliez pas, l'Empire est là pour vous protéger. Oui, on l'a perdu sur un nouvel épisode. Oh oui. Ah oui, ça y est, ça fait 5 fois. On est à 5. Ah, c'est bon. Mais non, mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Le mec. Ouais, non, mais il y a le vieux Ben, quoi. En plus, ils font genre, ils l'appellent le vieux Ben, tu sais. Ah oui, je l'ai connu il y a très longtemps, quoi. Ah oui, puis là, ah, bah, c'était ouais, un vieux fou. C'était un pote à nous. Et surtout son courant, quoi, les mecs. Mais l'Empire ouais, non, est... Je crois que c'est un vieux fou pour lui. Mais oui, qu'il est... Un bah vieux oui. Ermite, machin. Bah oui, parce que c'est lui qui lui dépose Luc, donc forcément il le connaît. Oh putain. Ah non, c'est derrière. Oh, il y en a deux. Déjà... Oh, il t'attrape, fais gaffe. Mais c'est vrai que, ouais, genre... Mais non, je suis Ben Kenobi, c'est pas moi, Obi-Wan. Alors, tu te rends compte que l'Empire le cherche, ils arrivent pas à le trouver. Et lui, le premier truc qu'il entend, c'est... Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Ouais, il parle peut-être du vieux Ben. Mais c'est tellement ça. Ben Kenobi. Tiens, d'où qu'elle... Ah non, derrière, dans notre dos, c'était une... C'était une déviation. It's a trap. Mais ah, oui, c'est tellement ça. Mais il parlerait pas du vieux Ben. Non, c'est une coïncidence. Toi du gros, je peux le taper le... Ah. Regarde comment je le boxe. Meurs Boba Fett. Regarde, en même temps, tu vois. Ah lui, t'as vu, il s'est sauvé. Eh oui, donc le compteur est un 5, hein. Compteur de perdition. On a sauvé la Terre. Alors action a sauvé la Terre. Je suis deuxième. Et non, on n'a pas le temps de se reposer. Putain, je m'étais... Putain, je suis dégoûté. J'avais réussi à te faire rire. Mais ouais, mais ça marche pas. J'avais rattrapé mon... Ah si, quand tu riais, j'avais rattrapé mon retard. J'étais devant toi. Mais c'est moi qui suis en retard de... Non mais tu sais que je suis à... Entre 15 et 30 000 points de retard depuis tout le jeu. Et t'as... Je t'ai dépassé seulement à la fin, j'ai vu après le... qu'on ait battu le boss. T'as tapé beaucoup de moches. Et ouais, voilà. Sorte de rancard, mais sur deux pattes. Ouais, mais voilà, je t'ai mis 20 000 à la sortie. Voilà. Non, alors que le mec, il essaye de me perdre. Ce salaud, le mec, il essaye de me perdre en route. Ouais, mais je t'ai dit, je continue à jouer, moi. Même dans ces cas-là, voilà, je suis pro.
Christian Merci, tout Méni tous les autres gens. Ceux dont on se rappelle plus les noms. Tous les mecs qu'on n'a pas voulu mettre parce que voilà. Pff, parce que ça cassait c'est les couilles. C'est-à-dire ceux qui ont apporté les sandwichs et les cafés. Et... Un jeu de la fin des années 80 quand même. Une explosion sur Terre, vite on y va. Ça se tenait bien pour la fin des années 80. Bon bah voilà, un nouveau jeu fini. J'ai envie de dire. Tu mets le nom, non ? Bah attends. Non ! Reviens ! Oui ! C'est pas grave, ce sera DDA. Voilà, c'est moi DDA, la vidéo fera preuve de toute façon. Bah ouais, bah il a voulu revenir en arrière, ce petit con. Voilà, pour la peine, j'espère que Butters va mettre des LBBBS, parce que ça fait HIP, HOP. Voilà. HIP. par contre, c'est... Bah, le mec, il s'appelle non, MRB, c'est bon. Quoi. Mister B, si je te... Mister B, grand, c'est... Grand, appelle-moi Grand Maître B. Grand Maître B, ouais, le mec qui s'est pris pour une abeille. D'accord, ouais, on va se quitter là-dessus. Monsieur Abeille, bah ouais, merci d'avoir donc, participé à ce merci nouveau à Let's Cop. Merci d'avoir regardé, voilà, et j'espère que ça vous a plu. Ah bah, ouais, moi ça m'a plu. Moi, ouais, c'était bien, c'était pas mal, on a bien rigolé. La petite théorie Star Wars qui tenait la route, c'était sympa. Ça, le petit bien. Plus, voilà. Donc, merci le, à tous d'avoir le petit côté déconnade. Puis n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, voilà, comme toujours, hein, pour ceux qui passent sur les vidéos, n'hésitez pas à regarder un peu tout ce qu'on a fait et ce qu'on fait à côté aussi. Voilà, c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera pour un prochain épisode. Ah, ciao, ciao tout le monde. Ah, ciao les amis.